Salut les sportifs, premier petit déjeuner crétois, je vais te montrer comment faire pour manger quelque chose qui soit bon pour ton palais et qui soit également bon pour préserver ton six-pack, hein, pour pas exploser le compteur calorique. Comment choisir les bons aliments, je vais te montrer tout ça. Et puis si tu aimes bien ce genre de format, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et exprime-toi dans la barre des commentaires si tu veux voir plus de vidéos de ce genre pour te montrer mon quotidien, comment est-ce que je fais pour gérer mon alimentation, même si je suis en vacances, parce qu'il y a possibilité bien sûr de pouvoir garder ton corps athlétique tout en partant en vacances. Et je vais te montrer, je vais te le prouver tout le long de cette semaine. Je vais te montrer d'abord la vue que j'ai le matin, tu vas voir que c'est assez joli, avec une vue directement qui donne vue du parc avec les montagnes derrière, c'est juste génial. On se lève avec plein d'énergie positive et ça c'est très important pour commencer la journée en pleine forme. Et d'ailleurs tu vas voir que aujourd'hui je vais te montrer les bienfaits des œufs, parce que je vais consommer des œufs. Quand tu pars en vacances, il y a toujours possibilité de manger salé. Et est-ce que tu as remarqué qu'en général ça ne nous dérange pas de manger salé le matin, alors quand on revient chez soi, eh bien on commence à dire: oh mais moi je mange pas salé le matin, c'est toujours sucré. Alors pourquoi changer les bonnes habitudes? Tu pourrais aussi de temps en temps consommer des plats salés le matin, à habituer ton palais à manger salé, et tu vas voir que ça va devenir une bonne habitude également. Les œufs, c'est aussi très intéressant parce que ça contient beaucoup de tyrosine, ce sont des acides aminés, et il faut savoir que ces acides aminés-là libèrent plus facilement la dopamine, qui est un neurotransmetteur responsable de la motivation, de la vigilance et de l'éveil. Donc pour bien commencer ta journée, si tu as la tête dans le cul, comme on dit, alors c'est très intéressant de consommer des œufs le matin. C'est ce que je vais te montrer tout de suite en rejoignant mes amis Anthony, mon meilleur ami Anthony, Brice, mon frérot, et ainsi que Flo. Allez, à toutes mes amis, je vais te montrer mon petit déjeuner. Donc voici en compagnie d'Anthony Faux, mon meilleur ami. Et avec lui, nous allons prendre le petit déjeuner. On va rejoindre aussi Brice Douane derrière et Florence. Et on va se régaler, sainement, bien sûr. Allez, à toutes. Il y a une vue de dingue, là. C'est un truc de fou. Bon, allez. Passons maintenant au petit déjeuner. Et voici donc mon petit déjeuner du matin. Alors je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi ça. À ma gauche, j'ai des œufs qui contiennent beaucoup de tyrosine. Et la tyrosine permet de libérer la dopamine, qui est un neurotransmetteur responsable de la vigilance et de la motivation. Donc quand tu veux commencer justement des vacances avec la bonne humeur, alors c'est intéressant de consommer des œufs pour cette raison-là, et parce que aussi j'aime bien manger des œufs le matin. Je kiffe. Ça permet d'avoir une meilleure digestion, de commencer par des fruits avant de consommer ton repas. En tout cas, c'est mon avis personnel et c'est mes ressentis. Bien sûr, hein, on est en vacances, donc du coup, il y a toujours une notion de plaisir. Le petit pain en chocolat, sans en abuser, avec la petite crêpe pour rappeler la laitière, c'est important. Une petite source de protéines pour nourrir les muscles et un peu de gras pour nous rassasier. Bien sûr, le thé vert est autant rendez-vous pour nous stimuler et commencer cette journée en pleine forme. Voilà un peu comment se compose un petit déjeuner équilibré et à la fois délicieux. Donc je vous dis bon appétit. Si vous aimez ce genre de format vidéo où je vous montre un petit peu mon quotidien, comment est-ce que je fais pour manger sans pour autant me priver, prendre du plaisir et garder la forme, dites-le moi dans la barre des commentaires si ça vous intéresse. Voilà, je vous ferai plein de vidéos de ce type là. Et là, bah, je suis accompagné, hein, comme vous le savez, Anthony, mon meilleur ami, et de Brice Douane qui se régale aussi. On va aller passer la journée, je pense, aujourd'hui à la piscine, étant donné qu'on a eu une journée très très difficile hier. On a dormi très tard, tout simplement parce qu'on s'est éclaté à Mario Kart. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Allez, ciao, ciao.